Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si tu me connais pas, si tu tombes ici par hasard ou quoi, appelle-moi Odoru. Bien évidemment, c'est pas mon prénom, mais appelle-moi comme ça, ça fait plaisir. Bref, aujourd'hui, je te retrouve dans un format de vidéo que j'ai créé et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Un Step, une histoire, où je te raconte l'histoire d'un pas de danse. Et aujourd'hui, on va parler de ce pas de danse. Même si tu ne connais pas le nom de ce pas de danse, je suis sûre que tu n'es pas passé à côté de ce fameux pas de danse. Donc ce pas de danse s'appelle le flossing, le floss, la floss dance, comme tu veux. Moi dans cette vidéo j'appellerai ça la floss dance ou le floss, ça dépendra. Mais bref, du coup ce que je vais faire c'est que dans un premier temps, ce que j'aime bien faire dans les 1 step 1 histoire, je te lis la définition qu'on peut retrouver sur internet. Et donc sur le site de Wikipédia, on nous dit que le floss est un mouvement de danse urbaine dans lequel une personne balance ses bras, les poings serrés, alternativement devant puis derrière son corps dans un mouvement de balancier. Donc ça c'est pour la définition qu'on trouve sur Wikipédia. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais t'expliquer un peu qui aurait créé cette danse, entre guillemets, tu vois, comment elle a été popularisée, par qui, pourquoi, machin, qui est le vrai créateur, etc. Donc commençons tout de suite. Comme d'habitude, j'ai mes petites notes, hein, c'est normal. Bref, la floss dance aurait été créée, hein, aurait été créée et, ne, et pas a été créée, par un jeune homme qui s'appelle Russell Horning, qui est aussi connu sous le nom de The Backpack Kid. Il a posté en fait une vidéo de lui sur son Insta en août 2016 où il faisait ce fameux pas de danse, le floss. Alors qu'il n'avait que 15 ans. Faut savoir qu'au début, le floss ne s'appelait pas le floss. Le floss s'appelait le Russell. Parce que selon Russell Horning, c'est lui qui l'a créé. Donc il s'est dit, c'est mon pas de danse, il va porter mon prénom. Au tout début, quand Russell poste cette vidéo sur son Insta, donc en août 2016, il n'a genre que 30 vues. Puis après, il y a un mec d'Instagram, franchement j'ai pas trouvé le nom. Bref, un mec d'Instagram qui a, ce qu'on trouve sur internet c'est, attends, qui a voilà 700 000 abonnés, qui a décidé de repartager ses vidéos. Et à ce moment-là, Russell a gagné des milliers d'abonnés. Faut savoir que ses vidéos, elles ont été repartagées par Rihanna. Et il a aussi attiré l'attention de Katy Perry, qui l'a invité pour un show au SNL, c'est quoi ? Saturday Night Live, qui est un show hyper connu aux États-Unis, machin, tout ça. Et elle l'a invité pour qu'il fasse son fameux pas de danse pendant qu'elle interprétait la chanson Swish Swish. Bah, j'aime bien cette chanson, ça va, elle est sympa. Bref, du coup, comme je te l'ai dit, de base, la floss dance, le flossing, le floss, appelle ça comme tu veux, s'appelait le Russell. Mais en fait, pourquoi la floss dance s'appelle la floss dance et s'appelle pas le Russell? C'est parce que les internautes, donc les gens qui ont commencé à kiffer la danse, etc., se sont dit, non, mais le mouvement du floss, ça fait plus penser, alors, ce qu'on trouve sur internet, ça fait, le floss, apparemment, c'est soie dentaire, un truc comme ça. Donc je pense qu'en fait, c'est le mouvement du fil dentaire. Voilà, quand tu fais ton fil dentaire, apparemment ça fait comme ça. Donc bref, écoute, hein, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est les internautes. Voilà, c'est le peuple qui a parlé et qui a voulu qu'on appelle cette danse la floss dance, le flossing, le floss. Comme je te l'ai dit, Russell Horning a posté cette vidéo en août 2016. En 2017, il a été invité sur le plateau avec Katy Perry. Et aussi en 2017, Fortnite a décidé d'utiliser cette danse dans ses emotes. Dans emotes, enfin je sais pas si... Voilà, je suis pas une meuf de Fortnite, mais t'as capté, dans ses danses Fortnite. Et la maman de Russell a décidé de poursuivre en justice le jeu pour utilisation frauduleuse. Non, je rigole pas pour utilisation frauduleuse, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est que ils ont utilisé la danse que son fils a créée sans son consentement et je pense aussi sans déverser un petit billet. Voilà. Après les histoires de copyright, de droits d'auteur et tout, alors je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais je sais qu'en France, c'est assez compliqué de poser en fait un droit d'auteur sur un step, sur un pas de danse, sur une œuvre on peut, mais sur un pas de danse en lui-même c'est un peu compliqué. Faudrait que je me renseigne, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Aussi, autre petite anecdote, Russell Horning, qui est plus connu sous le nom de The Backpack Kid, en fait on l'a appelé The Backpack Kid parce que lors du SNL, donc du Saturday Night Live avec Katy Perry, il avait un sac à dos
Et en fait, backpack en anglais, ça veut dire sac à dos. Donc voilà, l'enfant au sac à dos. Tout simplement. Ils sont pas partis chercher loin, ça veut dire ça, voilà. C'est un backpack kid parce qu'il avait un sac à dos. Tout simplement. Heureusement qu'il n'avait pas autre chose sur le dos, hein, genre, bref. Maintenant, c'est cool tout ça, mais pourquoi les gens aiment cette danse? Moi, pourquoi j'aime bien cette danse? Pourquoi, bref, pourquoi le peuple aime cette danse? En fait, les gens aiment cette danse parce que d'apparence comme ça a l'air assez simple, tu vois, tu prends tes mains, tu fais un truc comme ça, mais en fait, quand tu commences à essayer, tu dis ah ouais, c'est chaud. Et en fait, il faut un peu d'entraînement et beaucoup de coordination pour réussir à faire ce pas de danse, ce qui fait que c'est stylé quand tu le fais, machin et tout. Et pour moi, la floss dance, le flossing, appelle ça comme tu veux, c'est totalement une social dance. C'est une danse que tout le monde connaît, que tu peux faire en soirée. Ça remplit toutes les cases, ça coche tout ce qu'il faut pour être, selon moi, une social dance. Si t'as pas vu ma vidéo sur les social dance, je t'en prie, va la voir. Elle sera peut-être en barre d'infos, elle sera quelque part. Bref, tu sais comment chercher. Va voir, tu vas apprendre des choses. Donc je divague un petit peu, mais voilà. Pourquoi les gens aiment cette danse? C'est parce que c'est une danse qui peut parler à tout le monde. Elle est aussi un peu considérée comme la danse de la joie. Et ça c'est vrai, genre, parfois, bon, ça dépend des gens, mais parfois, quand les gens sont contents, ils vont faire le floss, je sais pas pourquoi, mais bon. Ah, pourtant c'est compliqué, hein. Ils pourraient faire autre chose, mais ils font le floss, donc bref. C'est considéré comme une danse de la joie, une danse qui rassemble, une danse marrante, haha, on rigole. Donc une social dance. Maintenant, passons au sujet qui, selon moi, est le plus intéressant dans cette vidéo, parce que dans mes formats de vidéo, un step, une histoire, j'essaie de remonter à l'origine, vraiment, de ce pas de danse. Et là, on va se poser une question. Qui est le vrai créateur de ce pas de danse? Eh bien, tu vas être déçu, parce que on sait pas, en fait on sait pas vraiment qui a créé en premier, qui l'a dansé, qui l'a renommé ou quoi, qui a vraiment créé ce pas de danse. Juste ce qu'on sait, c'est qu'en 2011, un jeune homme a posté une vidéo sur YouTube en train de faire ce pas de danse. On appellera ce jeune homme Monsieur X, hein, parce que je ne connais pas son nom, j'ai essayé de faire des recherches, je n'ai pas trouvé. Mais en 2011, on le voit en train de faire cette danse dans son salon. Mashed potato. Voilà, c'est lui le premier qui a été filmé en train de faire ce pas de danse. En plus, son pote il dit mashed potatoes, qui veut dire purée de pommes de terre. Je pense que c'est un délire chez les ricains, je sais pas, je suis pas ricaine. Mais bref, ensuite en 2012, on retrouve aussi ce pas de danse dans un cover. Je pense que c'est un cover, hein. Bref, c'est plein de mecs en costume cravate, enfin pas costume mais plus chemise cravate, en train de chanter une chanson. Et genre, c'est un boys band, on va dire. Et il y a un mec, genre sur 10 mecs, qui fait ce pas de danse. Ensuite, en 2014, ce pas de danse refait surface sur la chaîne de G2 Studio. Donc en fait, c'est deux mecs qui font genre des pranks, je sais pas, des expériences sociales, trucs comme ça, sur YouTube. Et ils ont une série de vidéos qui s'appelle Look What I Am Doing, ou je sais pas qu'est-ce qui... Bref, en tout cas, en français, c'est Regarde ce que je sais faire. Et ils interpellent des gens dans la rue, dans les cafés, dans machin. Petite tape sur l'épaule, il dit « Hey, regarde ce que je sais faire !» Et il fait la floss dance. You can keep eating, but check this out. Voilà, mais de base, eux, ils ont jamais appelé ça la floss dance. Faut savoir qu'un des deux mecs de cette chaîne YouTube avait été invité sur un plateau télé et la présentatrice de ce plateau télé avait dit « Oh, il fait la squeegee dance ». Squeegee, ça veut dire, tu sais, les raclettes pour nettoyer un écran. Voilà, pas un écran, pardon. Nettoyer les vitres, les raclettes, comme ça, là, tu racles. Voilà, exactement. De base, en fait, la première appellation de ce pas de danse, ça aurait dû être la squeegee dance et non la floss dance. Parce qu'en 2011, on nous a pas dit le nom de ce pas de danse. En 2012, on sait toujours pas. Et en 2014, on appelle ça la squeegee dance, même si bon, ils ont pas calculé, ils ont pas dit oh regardez, on fait la squeegee dance. Non, c'est la présentatrice qui a dit oh, en gros, on dirait ça, donc voilà, c'est la squeegee dance. Faut savoir que ces deux mecs là, je sais pas comment ils s'appellent, mais G2 Studio, ils ont fait une vidéo pour dire sommes-nous les créateurs de la floss dance. Et en fait voilà, c'est beaucoup sur l'ironie, hein, c'est voilà, ils foutent un peu de la gueule du mouvement, parce que quand la floss dance, le flossing, la floss, le floss a explosé, il y a
a beaucoup de leurs abonnés qui sont partis les voir et qui leur ont dit « Non mais regardez, vous le faisiez déjà en 2014, nanana, Russell c'est pas le créateur. » Surtout que, en fait, le petit Russell Horning, là, The Backpack Kid, se revendique très clairement comme le créateur de cette danse. Et vraiment, genre, il a fait des interviews pour dire « Ouais, j'ai créé cette danse, c'est moi le créateur, je suis le créateur du floss, the flossing, the hand around. » Alright guys, my name is Russell and I created the floss. Donc, voilà, ils ont fait une vidéo, là, les mecs de G2 Studio, là, pour dire non, c'est peut-être nous en fait les créateurs et tout, genre ils appellent Fortnite et tout, donc bon après c'est des mecs marrants donc ils font ça sur le ton de l'humour, mais en vrai ce pas de danse, enfin j'ai essayé de chercher, on ne sait pas d'où il vient, enfin j'ai pas trouvé, je ne sais pas d'où il vient, juste on sait que la première personne qui s'est filmée en train de faire ce pas de danse, c'est Monsieur X dans son salon, qui a fait ce pas de danse en 2011. Puis après en 2012 il y a eu ce fameux cover là, et où tu vois un mec faire cette danse, et en 2014 G2 Studio qui fait aussi cette danse, mais en vrai de vrai l'origine de ce pas de danse on ne la connaît pas. Par contre là où Russell Horning il a un peu raison, enfin non il a pas du tout raison en fait, mais en fait il a pas raison, il a pas créé ce pas de danse, il l'a pas du tout créé, mais c'est très clairement lui qui l'a popularisé. Après bien sûr il y a Fortnite qui a participer de ouf à l'engouement autour de cette danse, c'est carrément maintenant une danse Fortnite, tu vois, mais c'est lui qui l'a popularisé, donc on peut lui accorder au moins ce truc là de oui tu l'as popularisé chérie, y a pas de souci. Maintenant je vais juste te donner mon avis vite fait, je pense que pourquoi il y a eu plus un engouement autour de The Backpack Kid que autour bah, du mec qui était dans son salon, du cover là et de G2 Studio, c'est qu'en fait Russell Horning il a un corps, j'ai pas envie de dire atypique, mais tu vois, genre il est très long, très fin, il a des bras très très grands et tout. Et quand il fait cette danse, avec sa carrure, avec son corps en fait, ça fait quelque chose de marrant. Oui, voilà, parlons français, c'est un peu marrant, mais c'est pas, je dis pas ça, je me fous de sa gueule et tout, pas du tout. Hein. Mais dans le sens où, bah, le mec, tu t'attends pas à ce qu'il fasse des trucs comme ça, et il le fait. Et je pense que c'est ça qui a participé à l'engouement autour de cette danse. Tu vois, par exemple, il y a G2 Studio, ils ont fait cette danse. Le mec, en 2011, il l'a fait aussi, et... ouais voilà quoi, mais comme Russell Horning lui il avait un corps bah voilà il se développait quoi, t'as 15 piges, tout n'est pas développé, t'as les bras plus grands que le corps et tout, et ben je pense que c'est ça qui a participé à vraiment populariser cette danse. Yo la team, je voulais juste rajouter aussi que bien évidemment c'est grâce bah, au partage de Rihanna, Katy Perry et du mec là aux 700 000 abonnés qu'il a pu péter et populariser cette danse, et bien évidemment grâce aussi bah, en fait tout simplement aux réseaux sociaux, parce que il me semble qu'en 2011 et en 2012 et même un peu en 2014 on n'était pas à fond sur les réseaux sociaux, et 2016-2017 vraiment c'est là où ça a explosé. Donc, enfin selon moi toujours, donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi, mais je l'ai pas dit dans la vidéo parce que je trouvais ça logique, mais au montage je me suis rendu compte que ça l'était peut-être pas, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour la Floss Dance. Alors c'est très bizarre de pas vraiment savoir qui a vraiment créé cette danse. Si t'as des informations, honnêtement, si t'as des informations sur bah, qui a créé cette danse, pourquoi, d'où ça vient, peut-être que c'est d'un mouvement, un tout petit mouvement dans une école qui a fait que les gens, je sais pas, peut-être ça vient d'une série, peut-être ça vient d'un film à l'ancienne, je sais pas. Si t'as des infos, je veux bien que tu le mettes en commentaire, comme ça on dormira pas bête ce soir. Mais en tout cas, on sait qui est la première personne à s'être filmée en train de faire cette danse, et donc c'est ce Monsieur X, Monsieur Nobody, en 2011 dans son salon. Bref, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, moi je kiffe faire les un step, une histoire. J'en fais pas tout le temps parce que j'ai envie de vraiment trouver le step, l'histoire qui, selon moi, est intéressant. Et aussi, il faut trouver les informations, faut pas croire, il y a plein de steps, on sait pas d'où ils viennent et on saura jamais, tu vois. Donc bref, voilà, en tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. J'ai appris des choses. De toute façon, je savais que Backpack Kid, c'était pas l'inventeur de ce pas de danse. Mais je me suis dit, bah peut-être qu'on connaît, enfin voilà, l'origine de ce pas de danse. Je sais pas, peut-être que ça vient d'un pays, peut-être que je sais pas moi, non on sait pas, on sait juste que c'est Monsieur X en 2011 qui a dansé pour la première fois, enfin qui a été filmé en train de faire ce pas pour la première fois, et après on sait pas d'où ça vient. Donc bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à me lâcher ton petit commentaire si toi t'as des infos sur la floss dance, le flossing, la floss machin, ce que tu veux, n'hésite pas à me partager toutes ces infos là, hein, ça sert à ça. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à partager, à activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram odorutv qui lui parle essentiellement d'actualité sur la danse urbaine, retrouve-moi aussi sur mon TikTok machin machin, bref je dis ça à toutes les vidéos, donc bon bref voilà. Comme d'habitude, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse. Toujours. Et sur ce, moi je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi. Ah oui, et en exclusivité mondiale, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te faire la floss dance.
peux pas voir. Et je sais que je le fais là. En vrai, je pourrais faire n'importe quoi, tu pourrais même pas savoir. Non, je rigole. Bref, voilà, c'est tout. Allez, salut. Qu'est-ce que je suis drôle, c'est incroyable, putain. Je m'épuise moi-même.